9e journée visite, le cadre audit collectif association Haïtien ouvrier sous 16 lycées côte Cap Caribé a été dépensé pas mener nous dans lycée mais mettez-nous en face yon l'autre réalité dans pays question insécurité. Nous t'a quitté gon naïve pour arriver au caï mais nous vu rencontre sur route là manquer fait Paris. Heureusement toute bagaille était bien passé. Audit collectif sous lycée yo continue travail nous t'ai fait dans audit collectif il a vache là. Pendant 11 jours, équipe terrain audit collectif en va t'est déplacé à Anse-Rouge, Balimbe, Capotille, Caracol, Tiakakavahal, Chantal, Inch, Mianbalé, Montorganisé, Pilate, Port Morgo, Ranki, Rochabato, Sodo, Savanette ak tout monde dans l'idée pour comprendre impact réel li sécurité financier ak l'argent pétro-caribéen te gagné sur moun nan communauté. 9e joie, nous pas visiter aucun lycée. Nous sorti Gonaïve pour arriver au Caï. Équipe là prend route là Bonnet vers 7h du matin. L'arrivée dans ville de Salines, yon bandi yo rele ti mépris a tiré dans route là parce que selon quelques habitants dans zone là, la police a saisi zam ak balle. Nous obligé passer dans yon route en dedans. Yon habitant qui dit ces petites zones là propose accompagner nous à condition nous la gagne en bagaille dans main. Nous pas trop gen choix. Dit diable bonjour, la manjou. Pas dit bonjour, la manjou pirède. Alors, nous dit bonjour. Et la tibonite plein d'apentrée pour nous aller dans le sud. Et gon bandi, il qui était gain affrontement ensemble avec la police qui était bloqué route là et puis toute machine était campée, machine on pas de passer tout, c'était dans route en dedans était passé. Route en dedans pas de bon dit tout. Il décolle mon flan nous encore. Ça qui ba nous tirita. Zami qui accompagne nous en aider nous Angèle. Pita nous apprenne, Reta nous prenne ranger pan mon frère à servir nous, parce que yo te fouye machine qui te devant nous yo, avant habiter dans zone nan te courir derrière voler yo. Là nous yve l'esté, nous wè policier yo force toute machine yo camper, parce que situation semblait te dégénérer. Nous fè un petit geste à zami, Jean te mandé ya. Nous reprenons route là pour Port-au-Prince, mais machine nous pas trop en forme. Encore une fois, mon frère te tombé, donc ça te ban nous en pile qui a sauté. La difficulté encore que nous avons encore, c'est la difficulté par rapport au fait que nous sommes obligés à chaque fois pour nous parler avec des directeurs, passer par directeur départemental. Et ça a ralenti sous course nous. Côté à chaque fois que nous parlons d'autorisation, le plus souvent, les nous arrivons beaucoup de directeurs départementaux. Ouais, c'est pas rien qui roule avec éducation. Donc, entrer dans le programme de l'école, il y a une bonne de permission orale. Alors que c'est un bail qui était assez simple. Donc, on sait le coup de fil, c'est qu'il suffit. Mais on a exigé que nous étions sous place pour nous être capables d'expliquer. Et là, nous arrivés, c'était juste expliquer. Ça veut dire, dans le téléphone déjà, on dit, bon, finalement, nous sommes capables d'aller. Donc, c'était la difficulté qui était ralentie sous course. Nous. Et la difficulté encore, c'est par rapport à la machine que nous étions louées. Les routes, le plus souvent, nous pas. Par exemple, pour Savanette, là nous prenons Morganisé, là nous prenons Anse-Rouge, c'est des routes qui pas bon. Donc, même si la machine était 4x4, ça ne va pas empêcher que mon fasse fauter, l'écraser. Donc, c'est deux bagages qui étaient fait que nous sauter. Et en plus, pour nous traverser passe Glotou, la pluie a tombé, nous peur, parce que le plus souvent, si Glotou descend, ça n'était pas bien risque pour nous. Donc, c'était encore des difficultés que nous avons traversées. Mais heureusement, tout a été bien passé. Nous vignes et nous espérons que ça nous a fait. Là, en plus, nous pas regarder les opérations que la réalité qu'il a, c'est qu'en plus l'argent dépensé et grand plus le bagage qui manquait, bien qui pas bien fait. Nous vivons à Haïti, nous pensons que la population a souffert, grand plus le bagage, population a vécu par aimer, mais ils peuvent dénoncer parce que c'est impunité qui fait ça. Parce que les gens connaissent s'il parle, les gens qui ont fait le malfaisant et puis ils connaissent pas bien qu'un recours. C'est ça qui fait nous vivre une majorité d'informations comme si qui qui plus frappant que nous jeunes nous c'est des monde qui décide de dire nous à mes coups fermés et nous ça t'est marqué mon pile l'aime t'est arrivé sous dos et quand nous croisé sous lycée cap construit il dit il était travail et dans bâtiment il t'a pas jambé il expliquer comment il était by force courage et puis après plusieurs jours pas payé mais là nous dit est-ce qu'il veut faire interview ensemble avec nous il pas vrai il dit ça t'est fait le mal vraiment mais il pas vrai comme si dans misère il a pour là faire déclaration pour gagner plus misère toujours et l'autre bagarre qui était marqué mon collègue n'a pas sauté qui était lycée Sodoa parce que route qui menait dans lycée a c'est seulement dans lycée almeno c'est son zone qui pour courir rien la donne et puis bon quand tes groupe petit monde qui était petit qui était quand 10
12 ans, et puis tu as l'autre jeune garçon qui était avec eux, et qui était décidé de bloquer une route qui était une déviation. Elle dit, la route principale est passée, mais gon, tout le monde dans la machine n'a pas de capacité, et puis ils font une déviation qui passe dans la cour. Et puis, il a passé, il a décidé de bloquer la route là. Et puis, il a même dit que c'était payé pour nous payer, pour nous passer. Après, nous sensibiliser, nous venons sensibiliser, nous venons accepter qu'il nous passer. C'est des bagages comme si c'était marqué. Mais si nous avons fait nous ça, c'est passé avant, nous avons pris nous, parce que nous avons dans le local lycéen, nous avons pris nous comme si des gens qui étaient participés dans la construction, qui ont voulu qu'il nous pour nous toucher. Ce qui marque dans l'expérience, ça, c'est que c'est l'engouement que nous avons gagné pour aller à l'école. Imaginez que chaque matin, un petit monde prêt pour lui faire presque 2 à 3 km à marcher à pied dans route wash, hein, pour lui qui ça pour lui uniquement aller à l'école. Donc ça a vraiment frappé pour l'engouement que petit monde ça a gagné pour aller pour prendre plein de l'instruction d'un côté, et ça a été vraiment montré que oui gain petit monde et dans la ville qui recule, qui vraiment intéressé à aller à l'école, malgré bah, la pas facile, malgré bah, la difficile, il y a un qui sorti bonheur là caillou pour aller à l'école, il y a même qui pas vraiment mangé, arrivé en certain l'heure, là arrivé à l'école là, il grand goût, il demandé pour aller là caillou. Il y a un qui vraiment sacrifié, il y a pas vraiment sacrifié au moins pour petit monde aller dans le lycée malgré le lycée. Pas bien fonctionné malgré les a manqué et une série de matériel, mais ouais envie timounyo là malgré tout, envie malgré vents et marées, rien n'a plus, pas rien n'a plus, ouais timoun intéressé à l'école. Donc ça vraiment frappé et personnellement. L'autre bagage que nous t'ai jeune, c'est que état route pas bon, c'est-à-dire nous t'a fait plusieurs départements, passé dans plusieurs villes, et route c'est une difficulté que nous t'ai jeune, vu que nous t'ai jeune des pannes au cours de route qui rapport avec machine nous, etc. Et l'autre bagaille encore, c'est que niveau d'insécurité qui était vraiment inquiété nous d'une certaine façon à un certain moment, parce que y a la Tibonite et une sorte de tirépit entre un chef gang avec la police. Nous gain Port-au-Prince pendant un certain temps parce que nous t'ai gain pour traverser Port-au-Prince pour aller dans le sud, au Caï plus précisément. Donc ça, c'est différent obstacles qu'on a relaté qui arrive, qui plan, mais c'est pas des bagages qui vraiment décourager nous vis-à-vis de ça nous t'a fait, hein. Mais ça nous t'a fait, hein. Nous fait et nous porter résultat. Nous arrivons Port-au-Prince à 11h. Nous faisons des marches pour nous changer machine. Nous arrivons faire ça bien vite. Nous reprenons route là à midi. Route nationale numéro 2A, pas de problème. Alors, nous arrivons au Caï à 3h dans l'après-midi. Malgré gros sétissement, l'équipe a profité de tenir. Demain, après-midi, nous avons rendez-vous Chantal à Croche à Bateau.